Pas encore. Merci beaucoup. C'est une exigence du règlement intérieur et deux bureaux ça qui est élu dans cette commission a élu pour 2 ans. Point 3 à l'ordre du jour. On avait éliminé le point 1 à l'ordre du jour, lecture de la correspondance. Allez, le point 4 qui devient maintenant point 3 à l'ordre du jour. Premier secrétaire, veuillez nous donner lecture de ce point à l'ordre du jour. Poursuite du vote du projet de loi portant révision du décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale dite commune aux municipalités. Depuis sous présidence Youri Latortue, sénateur Youri Latortue, il y a des dispositions qui étaient prises par le bureau ça pour commencer déjà à voter toute loi qui a un rapport avec différentes collectivités, que ce soit au niveau section communale, commune et département. Loi sur fonctionnement, organisation et fonctionnement de la collectivité départementale là, les voter déjà en assemblée de sénateurs depuis sous présidence Youri, sénateur Youri Latortue. Collectivité municipale là, vote là t'est enclenché déjà et nous t'est arrivé au 30e article de ce projet de loi. Nous avons la chance pour que même monde qui était président de la commission ça, eh bien c'est lui-même encore que sénateur réélu comme président de la commission. Je veux parler du sénateur Francenet Denius. N'a pas passé la parole pour le capable font une remise en contexte pour nous, pour le remettre nous dans le bain avant de poursuivre avec le vote des articles restants de ce projet de loi. Merci, Président. Moi, à remercier les collègues qui fait moi confiance encore dans cette commission intérieure et collectivité territoriale là. Profiter et féliciter tout pour projet de loi portant révision décret 1er février 2006 là, qui fixe organisation et fonctionnement collectivité départementale là, j'en dis, hein, y a été voté déjà depuis l'année législative 2017 là. Et la fin année ça, y a été commencé tout avec vote projet qui porte révision décret 1er février 2006 qui fixait organisation et fonctionnement collectivité municipale là ou encore commune ou municipalité. Nous bral poursuivre avec votre loi ça que nous t'ai rivé l'article 30 la dernière, mais n'a pas demandé collègues c'est sous même lancé et avec même intérêt yo t'ai commencé yo t'ai voté premier projet a été commencé. Projet ça, nous allons continuer. Déjà, président, comme vous le connaissez, le gouvernement a demandé nous bénéfice de l'urgence pour 3 projets, qui sont projets sous département, projets sous communaux et projets sous section communale. Si nous votons rapidement 2 projets, nous avons prêté projets sous section communale là, que déjà nous invitons tous les membres de la commission à venir travailler pour nous élaborer, pour nous produire rapport sur le dernier projet ça et présenter à l'Assemblée de telle sorte que nous puissions répondre à l'appel urgence que le gouvernement lui-même l'a fait. Déjà, président, nous souhaitons collègues bon travail et nous allons continuer. Nous-mêmes, la commission, nous disponible
pour essayer de porter toute explication sur le rapport que nous avons produit et faire en sorte que nous votions de la meilleure manière que possible et bien document ça pour nous voir la Chambre des députés. Merci, Président. Sénateur Dumont. Merci, Président. Président, l'autre jour, nous pas dit rien, finalement, nous pas traité question jouement trompe fait Haïti. Bien sûr, Bureau a fait sortir une note, d'un coup, tout sénateur a demandé. Cependant, notre bureau est extrêmement synthétique. Certainement, il n'est pas normal pour l'Assemblée Noire, Sénat de la République, yon fait qui menait gouvernement sorti en communiqué, yon fait qui menait ambassadeur Haïti qui aux États-Unis passé dans tout gros médias pour bay explication pour défendre pays, yon fait qui menait un paquet de gros personnalités à travers le monde parler pour Haïti et puis pour moun que peuple a élu comme député, pas député, mais comme sénateur, et puis pour nous bébé sous cause. Monsieur le Président. Motion accordée, sénateur. Donc, je pense que l'ordre du jour a été déjà adopté par l'Assemblée des sénateurs. Donc, on ne peut plus faire de modifications au niveau de l'ordre du jour, suivant les références des règlements intérieurs. Il faut peut-être attendre la question d'intérêt général pour poser ce problème et s'il faut le décortiquer, pour le décortiquer. Merci. Moi, après le dit, moi, pas qu'on est qui le jouement ça a sorti dans la tête haïtien. Moi-même, moi, je voulais prononcer sous ça et en pleine séance. Certainement. Sénateur Cantave font une remarque pertinente. Et c'est ça qui fait le toujours important pour mettre en discussion un projet ordre du jour. C'est une façon, si un sénateur t'a souhaité modifier ordre du jour là, pour être capable de profiter pour les incorporer dans l'ordre du jour là, dans la position que le veut dans l'ordre du jour là, dans l'ordre que le veut dans l'ordre du jour là. Pour être capable au moins faire point de vue l'an passé. Faut, malheureusement, on a avant adoption projet ordre du jour là, au pas de temps arrivé. Moi, je reconnais ça. Et sous base ça, vu que ordre du jour là, il est adopté, nous pas capable de tourner, faire back sur lui. Même quoi que l'impératif, et on a demandé ça tout le temps, l'impératif pour que l'Assemblée a. Et ou bien, ou du moins, ce bureau a fait droit à demande et n'a jugé de façon opportune demain ou après-demain, ou bien de façon très spéciale, si n'a pas gardé la question d'intérêt général, que nous n'avons pas arrivé, pour nous capables au moins permettre que au moins on fait point de vue passer dans l'Assemblée à cette question ça qui intéressait chaque Haïtien et tout Haïtien en particulier. Merci, Anpil. N'a pas rappelé, n'a profité de circonstances-là pour nous attirer attention, collègues sénateurs, vu que nous n'avons pas de chance pour nous gagner encore en conférence des présidents, pour moi ça, pour me dire que, sous demande réitérée, plusieurs sénateurs et population lui-même qui a souhaité que débat soit fait, nous avons toujours encouragé que votre cap fait sous projet de loi, sous collectivité communale là, les faites bon, de façon correcte, mais aussi de façon célère, de façon à ce que mardi prochain, eh bien, nous mettez à l'ordre du jour débat et vote sur le rapport Petro-Caribé, qui pour moi-même un bagage fondamental. La question ça, faut qu'ils débattent. Et vous n'avez pas l'impression que c'est un dossier que n'a pas, comme des cadeaux, écarté ou bien faiblié. Alors, on poursuit avec, bien sûr, le vote
au niveau de l'article 31. Deuxième secrétaire vient de donner lecture de l'article 31. 32 qui devient 31. Président. Sénateur Latortue. Très bonne initiative, Président, pour le rapport, mais est-ce que l'on ne pourrait pas décaler à mercredi et de façon à ce que tout le monde soit présent au milieu de la semaine? Et, vu qu'il y a certaines urgences pour mardi, est-ce que si l'Assemblée le souhaiterait qu'on mettrait ça le mercredi pour que vraiment on puisse être présent, surtout ma personne qui doit s'absenter pour revenir le mardi, et en cas où l'on rate l'avion, on risque de rater également la séance. Donc, je demanderai un report pour mercredi. Très bien, bonne note est prise, et sénateur. Et puis on va en discuter au niveau du bureau. Mais très certainement, nous allons très certainement considérer votre demande. Et article 31 qui devient article 32 qui devient 31. L'article 31. Le bureau de l'Assemblée municipale est élu pour un an. Ses membres sont indéfiniment rééligibles. L'article 32 est mis en discussion. Toujours en discussion. Est mis au vote. Ceux qui sont pour, adopté. Article 33. Deuxième secrétaire. Article 33. La procédure de l'élection des trois membres du bureau de l'Assemblée municipale est la suivante. 1. L'Assemblée désigne par acclamation un président, un secrétaire et un scrutateur pour former le bureau électoral. En cas de contestation, l'Assemblée passe directement au vote pour former ce bureau électoral. 2. Le président déclare les inscriptions ouvertes et invite les membres à faire individuellement acte de candidature pour les postes à pouvoir. Il explique la procédure et les règles du jeu. 3. Le président déclare les scrutins ouverts et le secrétaire, à l'invitation du président, expose au contrôle de l'Assemblée le fond des deux urnes qu'il dépose sur une table en face du président, l'une étant destinée à recueillir les bulletins de vote et l'autre aux fins de dépouillement. 4. Le vote se fait au scrutin secret et en trois étapes. A. Élection du président. B. Élection du secrétaire. C. Élection du conseiller. Article 33 est mis en discussion. La commission. Alinéa 2, le président du bureau électoral. Toujours en discussion, avec bien sûr la modification ou bien l'ajout. Une dernière fois en discussion et mise au vote. Adopté. Article 34. Article 34. Le président informe les membres de l'Assemblée que les scrutins se font à la majorité absolue et annonce l'ouverture des inscriptions pour l'élection des divers postes. Article 34 est mis en discussion. En discussion. Toujours le président du bureau. Avec l'ajout, toujours le président, toujours le président du bureau. Du bureau électoral. Article 34 est toujours en discussion. Une dernière fois, mis en discussion. Adopté. Article 35. Article 35. Après chaque vote, le président du bureau électoral. Le président du bureau électoral déverse, c'est ça, sur la table en présence de l'Assemblée
l'ensemble des bulletins contenant le nom de candidats choisis par leurs votants. Le président prend un à un les bulletins, cite à haute voix le nom du candidat choisi et le remet au secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au scrutateur qui le montre aux membres de l'Assemblée et l'ajoute au compte, aux deux comptes. L'article 35 est mis en discussion. En discussion. Toujours en discussion. Adopté. Premier secrétaire. Article suivant. Après le décompte total des voix, le président du bureau électoral prononce les résultats des votes, dresse son procès-verbal qu'il adresse au juge de paix de la commune. Copie est envoyée au conseil municipal, au vice-délégué et au conseil départemental. 35.1 est mis en discussion. En discussion. Toujours en discussion. Adopté. 35.2. Les membres élus doivent prêter serment 24 heures après les élections. 35.2 en discussion. Toujours en discussion. Une dernière fois mise en discussion. Sénateur La Tortue. Président, c'est pour demander au président de la commission. Alors. Tribunal. Très bien, on peut ajouter ça. Donc, 35.2 avec l'ajout, bien sûr. Les membres élus doivent prêter serment 24 heures après les élections. Devant, par devant le tribunal de paix de la juridiction. De la juridiction. Ou bien de la commune. Okay. 35.2 avec l'ajout. Une dernière fois en discussion. Adopté. Section 5, attribution. Article 36, premier secrétaire. L'Assemblée municipale délibère et prend des résolutions sur les questions généralement quelconques se rapportant aux intérêts de la commune. Elle peut, selon l'importance du sujet, ne formuler que de simples recommandations. De manière particulière, elle ratifie le plan de développement de la commune préparé par le Conseil de développement communal et présenté par le maître ou la mairesse ou un de ses adjoints. Elle adopte le plan d'investissement public pluriannuel présenté par le conseil municipal. Elle adopte le budget annuel. Elle approuve les plans d'aménagement du territoire communal, d'extension et d'embellissement des villes et zones rurales. Article 36 est mis en discussion. En discussion. Toujours en discussion. Adopté. Article 37. Toujours premier secrétaire. L'Assemblée municipale doit, entre autres attributions, fixer les modalités de gestion des biens communaux et leur affectation. Statuer sur l'acceptation par le conseil municipal des dons faits à la commune. Proposer au conseil municipal des sources nouvelles de revenus, notamment des centimes additionnels sur les taxes nationales, des amendes et toutes redevances communales. Autoriser la participation de la commune dans les sociétés anonymes, mixtes et les créations de sociétés communales. Recevoir et sanctionner le rapport semestriel et annuel de gestion du conseil municipal et veiller à sa publication dans la quinzaine après la fin de la session. Recevoir du conseil municipal le rapport annuel sur l'état de la commune. Créer des commissions d'enquête et de suivi sur la gestion d'intérêt communal, notamment sur les droits de la personne, sur le fonctionnement des institutions communales, sur la protection de l'environnement, sur la gestion du conseil municipal, sur l'exécution des contrats passés avec la commune, sur les accusations portées par le conseil ou un de ses membres ou sur un membre de l'Assemblée. Faire des recommandations sur le cadre fonctionnel de la police administrative municipale et s'assurer de son bon fonctionnement. Approuver les contrats passés avec d'autres communes pour la réalisation et l'exploitation en commun des ouvrages d'intérêt intercommunal. Approuver la liste des jurés. Sanctionner et ratifier le plan de réforme foncière déterminant les zones résidentielles, industrielles, agricoles et commerciales. S'assurer de la légalité des ententes, accords, contrats, prêts de conseil avec une institution privée ou toute
entité privée, publique, gouvernementale ou parapublique. Proposer la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif. Accomplir toute autre attribution connexe. L'article 37 est mis en discussion. En discussion. C'est un La proposition initiale était de proposer la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif. Et la nouvelle formulation serait organiser les appels à candidature. C'est quoi? Non. Il propose. Il a proposé, mais au CSPJ, à l'exécutif. Et l'exécutif doué par le CSPJ. Sénateur, hein? Sénatus. Avant de nommer. Parce que par exemple, pour la cassation, nous voulons par l'exécutif, l'exécutif voulons par le CSPJ. Alors, même quand on est arrivé dans la section 6, pour nous être capable de faire des exécutions. Oui, c'est ça, faire la loi. Ça me réserve que y ait ce texte de loi ça dans le côté. Moi, pas de problème avec texte de loi dans la globalité. Mais il y a quelques dispositions là, qui sont des dispositions capables de nous en difficulté en plein pays. Lorsque nous connaissons, nous-mêmes, nous prédécesseurs de la Constitution pour la respecter, mais nous connaissons tout. La Constitution, ça, en pile de dirigeants, nous, taxer de la Constitution qui crée en pile instabilité dans le pays. Non, point ça, point 13 là, il a parlé de proposition de liste de juges qui t'a été faite par l'Assemblée. Mais là, président, nous avons une pile réserve sous lui. Parce que la Constitution a dit, d'une part, faut ta respecter, mais nous, même tout qui là, nous connaissons, nous montons une commission ici. Qui a pour mission pour garder possibilité pour nous visiter la Constitution, ça, pour nous manier la Constitution, pour nous amender si faire se peut. Maintenant, moi qui comprends l'esprit constitué en 1987, là, lorsque l'ITE voulait créer ça, le régime d'assemblée dans la politique active pays noir. C'est une idée qui est noble dans la mesure où ça visait la démocratie. Cependant, qui est-ce qui va constituer l'Assemblée municipale? C'est des gens qui ont fait politique, qui malheureusement pas obligé qu'on lit. Qui pas obligé qu'on lit. Qui pas obligé de gens qui gagnent. Permettez, comme dit le jeune boss de la présidente, une moralité pas douteuse. Voilà ces gens que nous prenons le droit pour choisir juge qui prend juger la population, gens qui déjà a fait politique. Moi-même, je un danger grave qu'il a. Danger à président. C'est lorsque l'Assemblée a droit pour la nommer juge en de tribunal. Je dis à Bagala pas bon. N'abrélé, nous dit justice non pour qu'on finisse droit en forme. Nous tous nous conscients et nous bataille pour nous renforcer, pour nous garder comme un en forme. Mais croyez-moi, si vous voulez, président, dans le moment où vivre là, si nous arrivons à quitter Bagala, ça a passé.
justice la pral politisé net, ou après la pi mal que j'en ouye jodi ya. Puisque nous gagnons en perspective yon amendement en révision constitutionnelle que nous commençons d'ailleurs à travailler sous lit, moi-même personnellement, t'as proposé à l'Assemblée tout côté dans la loi ça qui fait référence à choix juge, nous ferons sursoir sous lit. Nous faisons camper sous président. Plus particulièrement, là, au niveau. Président, motion. Motion accordée. Et moi, je pensais que notre collègue et ami, le sénateur Senatus, il parlait d'or. Mais nous avons une situation de contrainte, président, côté la Constitution, il prend des dispositions. Et disposition pour eux, loi, j'ai représenté là, en harmonie littérale avec la Constitution. Si la Constitution de la hiérarchie des normes prononcée déjà, nous-mêmes, nous supposons plier, non, jusqu'à ce qu'il y ait un amendement de la Constitution. Or, à ce que je sache, la Constitution n'est pas encore amendée. On peut toujours revenir sur cette loi, au cas où il t'a fait un amendement qui t'a traité de question ça. Mais il reste le fait, président, que la Constitution, malheureusement, elle est ce qu'elle est. Il dit que c'est l'Assemblée municipale qui a choisi le juge de paix. Donc, loi, il est en harmonie avec la Constitution, nous obligeons, président, voter suivant les dispositions de la Constitution. Merci. Ça fait deux. C'est, ça fait deux motions. Je peux accorder une deuxième motion sur l'intervention du sénateur Senatus. C'est le sénateur Kedler. Pense à nous. Vous êtes allé? Ok. Où allez? Je ne sais pas. Je pense que moi, je me suis accueilli à Lyon dire la même chose. Et mon famille, toi, je suis venu dans le même. Et ça a été au même, effectivement. Je pense que la remarque du sénateur Sénatus est importante. Et ça fait me réfléchir sur un ensemble de décisions que depuis 86 on apprend un pays là. Et donc il est extrêmement important pour nous des hommes d'État qui abordent les questions avec toute lucidité que ça nécessaire. Et surtout, avec le souci de ne pas brûler les étapes. On comprend que sociologiquement, il y a un problème non par rapport à problème. L'enforcement institutionnel, la transition démocratique là, c'est que le nous en face à stagnation de justice là, le nous en face à notre constitution, à de l'argent que nous pas apprendre à eux-mêmes par rapport à ça que nous devons voir dans la constitution. Je vais donc procéder pour résoudre n'importe qui genre et encore une fois, solution, c'est plus du balayé fait par rapport à ça et c'est pas bon et non pas. Une solution est peut-être qui conforme à la réalité et conforme à un principe qui est établi généralement. Là, nous entrons dans le processus de réforme judiciaire pendant longtemps dans le pays, surtout avec le ministre Mani. Il a accentué en 2006-2007, le conseiller ministre de l'Ontario, qui a traversé l'Ontario. Il est dans la foulée de toutes les revendications du Foxman sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et pour l'impression que chaque fois nous voulons qu'on bagaille pour montrer notre cadre démocratie, notre démocratie à développement pays, on nous pense nous baillons à facteur là. Et nous pensons que les nous baillons réponse à facteur là, nous sommes bon bagaille. Et c'est tout le problème en ça. Donc, nous parlons que l'exécutif se donne des idées, nous devons vivre avec décentralisation, et nous devons participer dans trois jours à différents niveaux. Maintenant, c'est ça, Jean-Sénateur. C'est comme si on a tout ça, comme 15 ans, qui dit mais comment il y a des juges de cassation, juges pour l'appel, juges pour l'appel, juges pour l'instance, et juges de paix qui est en là. Juste la lettre de la Constitution, tant qu'elle n'est pas encore amendée, je parle de la Constitution, elle doit être appliquée.
Donc, pratiquement, nous avons loi tout, qui vise à garantir l'indépendance à ce gâteau à tout, qui vise à être nous passer par ce pays. Donc, ça veut dire que son loi qui paraît inconstitutionnelle, même si l'idée pour ta dépolitique de justice là, nous avons votre banque là, c'est pas une bonne idée. Donc, moi, je pense que tant que la constitution ça là, moi, malheureusement, constater que ça, il y en a encore. Merci. Alors, non, on laisse au sénateur. Merci de la bonne moitié à jour. Parce que. Mais parce ça, que fait trois, ça fait trois motions. Ok, mais c'est un problème. C'est un problème. Merci, président. Ok, mais quand même, la parole est accordée au sénateur Latortue. Merci. Alors, exceptionnellement. Président, comme et point sénateur, sénateur et Potea, l'imam d'un pile réflexion, je devrais faire un jour qui est utile et pour amendement, mais qui est utile pour justice là. Question indépendance pouvoir judiciaire là, il y a deux volets. Il est organique dans le pouvoir même, les juridictionnels dans la décision du juge. Là, nous poser problème nomination, si nous ne posons pas bien, la barrière est indépendante. Ça. Et nomination, que c'est le président de la République là, qui fait, c'est l'exécutif, que c'est l'assemblée municipale là, c'est le pouvoir local. Donc, il faut nous bien réfléchir pour ramener cette question de nomination au pouvoir même de la justice. Peut-être à travers l'organe de gestion du pouvoir judiciaire, qui lui-même nous doit en flexion pour que c'est bon l'autre pouvoir, que ce soit national ou local qui vient faire. Et l'âme du sénateur, sénateur, soit nous réfléchir de façon profonde pour que nomination nous dépolitise et nous, ouais, à travers l'organe de gestion, que ce soit le CSPJ ou autre, nous potelle pour que l'indépendance en deux volets puisse être assurée, l'indépendance organique et l'indépendance juridictionnelle. Donc c'est juste en réflexion à partir de l'avancée sénateur, sénateur, cela, que Mme Mandé noté pour nous, pour que son point, à travers l'amendement constitutionnel, nous passons-t-il de local à la nationale, cela revient au même. Il faut dépolitiser et ramener maintenant au pouvoir même pour certaines décisions, surtout le CSPJ. Merci. Très bien, président. Je reviens à la charge. Je retourne à la charge pour me dire, président, assez souvent, la Constitution gagne des prévisions. Ça le prévoit, tout pas toujours appliqué. Par exemple, de 1987 à nos jours, nous ne pouvons jamais gagner ça le Conseil, la Commission de conciliation en Haïti. Alors, motion. Non, pas d'émotion encore. Non, vous ne pouvez pas avoir. Vous débattez trois, oui. Non. Et, bon. Non, non, tu, non, vous ne pouvez plus avoir de motion, collègue. Vous terminez votre intervention, sénateur, sénateur. Merci, président. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est pas toute sa constitution dit qui est toujours appliquée. Par exemple, commission de conciliation jusqu'à date de Bouhamgen. Jusqu'à présent, pourquoi nous j'aimerais savoir la haute cour de justice en Haïti? Alors que, il prévoit le CEP permanent, nous pourrions, alors que c'était prévu à travers les lignes de la Constitution de 1987. Je dis à nous là, président, moi-même, je prête serment sur la Constitution. Je ne pas violer la Constitution. Et c'est ça que je prête serment, je dis. Je ne pas violer la Constitution. Mais si je fais une omission en attendant que quelque chose se règle au niveau de la Constitution, je ne pas faire rien qui mal. Qui s'allie aujourd'hui à président? Je n'ai pas questionné un texte de loi. Texte ça, c'est les prévoir, les disposer pour l'avenir. Les disposer pour l'avenir. Là, dans l'âme, si tu as regardé, moi, je dis pour arriver même à l'Assemblée, il faut qu'on ait un certificat de bonne vie et mœurs. Or, jusqu'à date, il n'y a pas de loi qui soit déjà adoptée par le Parlement et publiée par l'exécutif qui réglementait la question de bonne vie et mœurs en Haïti. Ça veut dire, m'a légiféré dans l'imagination qui est anormale. Parce que nos textes de loi, là, m'a fait examen, il faut qu'on fasse revue législative
de textes qui existaient déjà. Alors que là, m'a parlé, m'a travaillé, mais m'a travaillé jusqu'à présent, textal qui parlait de bonne vie, mais c'est pas qui ça lié, président, en fait? Nous avons trois pouvoirs qui ont dirigé l'État. Pouvoir judiciaire, la Jodia, la prélé pour gagner indépendance, même si nous-mêmes nous avons indépendance, nous ici, dans le pouvoir législatif. Là. Moi, comprendre constituant, et si nous avons une étude psychologique, nous avons fait psychologie texte, constitution, Jean-Sénateur Auguste Tédil, nous sommes dans une dictature, nous avons entré dans une démocratie avec nous, donc nous avons battu pour nous faire démocratie en gens, pour ne pas t'assembler avec ce que nous fait. C'est une idée qui est noble, dans la mesure où, constituant, l'idée est sécuriser la population. Cependant, il faut que nous ayons courage pour nous constater tout. De 1987 à 2018, que nous aujourd'hui, nous faisons pile bac. Nous faisons pile bac, même la qualité de l'école que nous avons. Je dis à ces 20% de réussite dans l'examen et baccalauréat. Il faut que nous rendions compte de ça comme autorité. Eh bien, président, je dis à vous demander qui est-ce qui pourra nommer le juge pour faire proposition. Sénateur, la tortue, je dis, juge là, un travail juridictionnel que la bien pour le faire. Mais en dehors de ça, le tâche de gestionnaire que pour le faire tout. Qui est-ce qui pourra questionner le juge là, qui pourra le proposer par exécutif ou nomination? C'est un monde que même loi sous parti politique là-bas, il faut qu'on lit. C'est un monde, président, même loi, même constitution, pas nous qui avons utilisé aujourd'hui, il n'a pas dit mais qui qualification qu'elle doit réunir, qui va permettre de remplir fonction. Mais on a un monde ça, qu'on n'a pas de crasse critère pour arriver dans le poste long, on a le pouvoir pour celui qui va le déterminer, qui va le désigner, qui va le proposer, monde qui va le dire justice. Alors que Mounsa, il prend une formation spécialisée pour faire travail ça. Moi, on dégât dans ça, dans le texte de loi. Moi, on menace pour le pays, là-dedans. Moi, effectivement, la Constitution en dit, avant de faire débat avant la présidente, malgré la Constitution pour moi qui s'est disposée. Moi, effectivement, c'est ça qui dit. Mais je dis à la, si nous faisons camper sur ça, nous sur soi, nous pas voter section ça, le pape déranger de Noé. Parce que nous prenons pour demander une constitution en devant. Très bien. Et laisser ça dans le travail pour l'indépendance réelle de la justice. Très bien. Le président de la commission. Ensuite, le sénateur Latortue et le sénateur Kedler. L'article 175 de la Constitution. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes par siège soumises par le Sénat. Ceux des cours d'appel des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée. Les juges de paix sur une liste préparée par les assemblées communales. Jean Empile Collègue Rodetli, président, c'est une disposition constitutionnelle. Et disposition ça éliminée en application de l'article 175 de la Constitution. Et président, nous croyons que ça sera pour vrai payer, contrairement à l'inquiétude des craintes collègues sénateurs. Comment ça dépend de faire président ou qu'on est un juge de paix? Généralement, son député, c'est un sénateur qui propose le pouvoir exécutif là, et puis le pouvoir exécutif là nous-mêmes. Là, je pense que c'est plus strict. Et là, pour voter la loi sur le statut de la magistrature, je pense que c'est un premier progrès parce que loi amendée pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, il va y avoir un avis sur le monde que le pouvoir exécutif a donné. Et je dis à l'autre progrès que je constate, parce que même le monde que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a donné un avis, maintenant, ils ont fait choisir par l'Assemblée municipale, qui c'est le monde qui vit près, le monde qui a choisi avoir une relation de proximité qui permet que le monde ait connaître ce qu'il y a de bonne vie et mœurs. Président, vous pensez que. Monsieur le Président. Allez-y, motion. Accordée. Président, encore danger. Imaginez un instant, demain matin, sénateur Cantave, sénateur Sénatus,
Sénateur Lambert, nous entendons, nous disons que nous avons un parti politique, nous avons l'IDPEP. Conato ou bien AA. Ou bien, m'entendu. Eh, il invente là où il y a des acquis. Yo plateforme politique qui est l'idée PEP. Nous investissons pour nous prendre pouvoir. N'importe comment nous prenons pouvoir. N'importe comment. Moi-même, je dis nous avons fait loi pour l'avenir. Si nous avons fait loi pour l'avenir, il faut appeler l'avenir ou bien essayer de faire des projections. Imaginez un instant président dans une zone côté. Je garantis par exemple, j'ai besoin d'une élection municipale. M'entendre moins pour une équipe populaire pour une élection, c'est une équipe volée. Mouton cartel avec. Parce que vous condamnez à une peine afflictive et infamante de la Constitution, l'idil. Président, mais c'est monsieur ça, monsieur dame ça, que nous choisissons pour occuper la municipalité Gantia. C'est vous qui avez quelqu'un pour choisir juge dans cette zone. Président. Président. Non, avec la seule différence, c'est ça que la Constitution a dit. Et par conséquent, il est difficile pour que nous départions de sa constitution dit avec nuance, bien sûr qu'au fait, qui sont nuances importantes. La nuance, c'est que à la fin de dernier, comme de cadio, en dernière session législative là, l'Assemblée a gagné pour faire des propositions d'amendement. Alors, nous avons demandé par la même occasion, pendant que la réflexion s'est faite là, la commission qui a occupé de questions d'amendement pour tenir compte sérieusement de lui. Mais dans l'intervalle, moi, je ne vais pas entrer dans le débat. Je ne vais pas passer la parole là-bas. Non, c'est une motion. Président. Non, mais il a la parole. C'est une motion. Moi-même, je vais passer. Sauf vous. Même dans l'amendement constitutionnel, comme des dispositions. Président, les logiques sont des bonnes guerres ou juges ou seulement des bonnes choisies. Dans un premier temps, on m'a dit pour mon choisir. Pour une institution qui a ville sous l'île, vous avez demandé un troisième pour choisir, un deuxième pour nommer, pour l'autre pour la ville sous l'île. Motion, président. Motion. Deuxième et dernière motion accordée. Pour une deuxième fois, je ne suis pas d'accord avec mon collègue Francenet, avec lequel je suis toujours d'accord, pour me dire que le problème là, intéressant dans la mesure où nous tout avons cherché créer une certaine indépendance au pouvoir, au niveau du pouvoir judiciaire qui est capable de garantir les droits citoyens. Mais cependant, depuis les montées dans la première année de droit, de regretter mémoire, il y a un pile professeur, matin, midi, soir, depuis que je viens de courser ça, c'est qu'il faut dépolitiser, moi je pense j'étais mieux, la justice, retirer la politique là dans le chantage de des mouns cap nommé moun et parmi lesquels j'ai ouvert rapidement pour faire moi que en pile fois mon a demandé pour faire respecter la constitution. Les constitutions ça respecter c'est laisser ça pas rien dégâts encore et ça que même trouver très naïf les on a posé problème constitutionnel puis Jess dit que c'est nous même qui pas bon c'est pas constitution qui a un problème gain gros problème dans constitution des pour techniciens pour eux. Mais malheureusement, mon yon toujours croit que c'est mon yon pas bon, alors que y a des bagailles qui pas fait dans aucun pays qui pas conforme à principe là. Là, l'on par exemple, un monde qui saute dans l'élection, qui a un droit pour nommer moun ça a fait que les juges arrivent à les guerres de vos. Quand y a petit Joseph qui est qui était plus important dans le pouvoir, il fait n'importe quelle qualité de bagaille, il y a difficulté pour juger. Donc, il a parlé d'indépendance du pouvoir judiciaire. Il n'est pas indépendant seulement par rapport à l'exécutif, même par rapport aux collectivités territoriales, même par rapport aux groupes de pression. Ça veut dire que, je dis, même la constitution a dit nous obliger d'aider pour nous amender dans le Jean-Président qui dit qu'il fait pour ça. Ce n'est pas une mauvaise idée. Et m'a profité tout dit pour sénateur, sénatrice tout à l'heure. Question commission de conciliation. Hein? Pas qu'il y a ça encore dans la constitution. Hein? Avec le conseil constitutionnel là, il a retiré lui. Non, dans le cabinet 7. Oui, ancien. Il parle encore.
et que haute cour de justice est toujours là, mais son institution ad hoc qui a mettre au besoin les situations en fait le sentir. Ça me pense, président, c'est que dans la loi, ça nous capable de proposer la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif. C'est lui qui fait discussion en tout. Je pense qu'il faut que nous avons ajouté et d'après le mode conformément à la loi. Parce que une loi sous l'école magistrature qui fait des exigences. Nous avons ajouté ça là-dedans, conformément à la loi, parce que l'exigence que le sénateur a cherché, nous pas venu là, mais dans la loi sous magistrature, il fait des exigences. Nous avons ajouté ça là-dedans. Merci. Sénateur La Tortue. Merci, président. Et président, il y a une commission qui est plus importante pour deux prochaines années. On m'a rappelé, c'est la commission sur l'étude des amendements de la Constitution, puisque moi, je crois que son travail en profondeur, il m'a demandé, sénateur Doucet, pour les mettre toute leadership pour nous faire ça avancer. Parce que nous avons des points qui sont importants là. Même d'abord, sénateur Sénatus, si nous disons l'Assemblée municipale là, l'IPACA aller pour juge de paix, de même que sénateur a tout, pas aller pour cour de cassation. Donc, moi, je crois que dans ce sens, on nous était là, mais on a ajouté ça, sénateur Augustin Dia, conformément à la loi. C'est-à-dire, une fois que nous désignons, quand même, il y a un vetting ou une procédure du Conseil supérieur qui a fait que nous gagnons. Exactement. Sur une liste choisie par le CSPJ, des juges, je pense que le SAA la permettre que vraiment nous arrivions à un équilibre là. Équilibre qui t'a fait là. Alors, président, comme vous la parole, moi-même, après intervention ça, c'est sur le point 8 là, nous avons dit commission, sur le point 8, président de commission, là, on dit faire des recommandations sur le cadre du fonctionnement de la police administrative municipale. Nous devons tout corriger question ça, parce que loi 94 là. 8. C'est alinéa 8, article 37. Loi 94 a parlé de police nationale partout. Il a éliminé la question police municipale, qui était loi 82. Non, 82. Oui, dans les communes, sur Jean-Claude Duvalier. Oui, mais 94 à Bolil, puisque il parlait d'une seule police sur toute l'étendue. Donc, dans ce sens, ça, pour le cas correct. Sénateur Dumont. Merci. Merci, président. Ça, dernier mot, sénateur La Tortue, sauté dit là sous question police municipale là que la Constitution a pas prévoit là, une loi bien claire. Nous te recevoir la police ici. Hein? Sénateur Dumont. Président, on connaît les m'a parlé, si sénateur Augustin n'est pas peut-être ça m'a dit, elle pas bon pour moi. Oui, il est très turbulent, ce sénateur. Il n'a pas l'air ensemble avec. Oui, et la police t'a expliqué nous ça ici, hein, danger même qui gagne dans la multiplication de police. Police municipale, police administrative, police ici, police de bord. Donc finalement, il y a trois chefs. Mais précisément sous réserve que le sénateur Sénatus exprimait, je me rappelle, sénateur Sénatus, il y a un problème avec moun qui fait choix juge qui est capable de contre lui. Et deuxièmement, li craint problème que juge l'an lui-même qui pral juger un moun qui te mette le pouvoir. Ni un ni l'autre. Nous avons une situation d'idéal dans le texte constitutionnel. La loi, jusqu'à ce que l'y montre, sous les faiblesses, li, mais c'est dans un esprit d'idéal. C'est le meilleur possible. En France, aux États-Unis, ils ont constaté un phénomène d'illettrisme. Il n'y a pas de monde qui parle de lui. Maintenant, lorsque un monde qui pas qu'on lit participer monsieur président monsieur accordé et moi reconnaître un sénateur Dumont un homme de grand calibre un intellectuel de haut niveau mais moi supposé puisque des jeunesse là qui a regardé non pile monde qui a regardé non comme des sénateurs
Moi, j'ai aimé faire correction parce que sémantiquement, il est triste parce que c'est un monde qui ne lit pas. Il est triste pour les gens qui ne lisent pas, il est écrit et puis il est illettré. Donc, il y a une différence entre un alphabet et un illettré. Il y a une différence entre un monde qui n'est pas gagné, par contre lit, par contre écrit, et un monde qui connaît lit, qui connaît écrit, et un monde ça, c'est lui qui est illettré. Donc, l'illettrisme ne signifie que c'est un monde qui ne connaît lit. Donc, nous allons corriger ça pour le sénateur du. Dans le moment ça, il m'a dit que c'est parce que d'ordinaire, nous connaissons des qui dosés, qui ont un grand niveau intellectuel, mais quand il y a quand, nous devons corriger ça parce que il y a un monde qui a. Merci. Sénateur Dumont. Vous consacrez les nègres là, même si je connais un jour la mourir, les lalles de baccalauréat, la mettez la problématique quand même dans la dissertation. Sénateur Kantam, Talgounaïb dans le week-end, il dit de toute façon, Gomba Gaï, sénateur du Bobral, dit la balle au coup de bateau quand même. Zouli. Merci en plus, sénateur Kantam. Mais moi, pas songer exactement ce que ça me dit. Hein, même moi, tout à fait comprendre le son. Hein, et la petite, moi, pas poser problème non, dans sa généralité à faire illettrisme là et analphabète là. Illettrisme n'est pas loin d'analphabète là. Analphabète. Il y a différence, président. Non, nous parlons des bases. Vous capable. Non, président. Non, c'est des sénateurs, la fin des débats. C'est la jeunesse à Cap Gadi, non? Et c'est la deuxième et dernière motion. Très bien, c'est jeunesse à Cap Gadi, président. Hein? Et débat, il faut nous faire et dans la forme et dans le fond. Il y a le fond des débats, il y a la forme des débats. Président, vérifiez pour nous. Au niveau de la forme, en ce sens que les gonds écart. Président, vérifiez quoi pour nous, s'il vous plaît. Les gonds écart qui glissait, président. Au niveau de la forme, justement pour que nous ne pas induire en erreur, je n'ai pas regardé. Nous ne sommes pas encore au vote. Alors on peut toujours continuer. Il y a des. Ouais, bon sénateur, il y a un sénateur là qui n'a. Faites entrer les sénateurs, s'il vous plaît. J'ai dit, mais là, il y a une différence entre l'illettrisme. Une suspension de 2 minutes. Juste le temps de faire entrer les sénateurs. C'est que secrétaire de rédaction, vérifiez le quorum, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Combien? Le quorum étant infirmé, la séance est levée, elle sera reprise demain à midi. Exactement. Nous voulons créer stabilité.